qui s'adapte à toutes sortes d'endroits. Quand tu le mets dans un endroit noir, il prend aussi la couleur noire. Juge, chapitre 16. Juge, le chapitre 16. À partir du verset 13, on va beaucoup lire aujourd'hui, jusqu'au verset 31. From 31. Delila dit à Samson, allons-y. Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Continue. Tu m'as dit des mensonges. Continue. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Continue. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Continue. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Continue. Et il se réveilla de son sommeil. Continue. Et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, Comment peux-tu dire, Je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Continue. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Continue. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu. Continue. Dès le ventre de ma mère. Continue. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Oh my God. Je deviendrais faible. Continue. Et je serais comme tout autre homme. Continue. Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Continue. Envoya appeler les princes des Philistins. Continue. Et leur fit dire. Et leur fit dire. Montez 7 fois. Continue. Car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle. Et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Continue. Et ayant appelé un homme. Continue. Elle rasa les 7 tresses de la tête de elle Samson. De la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Continue. Il perdit sa force. Elle dit alors. Les Philistins sont sur toi, Samson. Continue. Et il se réveilla de son sommeil. Continue. Et dit. Je m'en tirerai comme les autres fois. Oh my God. Et je me dégagerai. Continue. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Continue. Les Philistins le saisirent. Continue. Et ils lui crevèrent les yeux. Mm-hmm. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, continue, Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, continue, ils célébrèrent leur Dieu, continue, en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, continue, celui qui ravageait notre pays. Continue. Et qui multipliait nos morts. Mm-hmm. Dans la joie de leur cœur. Il dit. Qu'on appelle Samson. Et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison. Continue. Et il joua devant eux. Continue. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme. Continue. Qui le tenait par la main. Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquels repose la maison. Il dit quoi au jeune homme? Laisse-moi. Est-ce qu'on peut souligner? Laisse-moi. Afin que je puisse toucher les colonnes. Oui. Sur lesquelles repose la maison. Attends, j'arrive. Faut souligner les colonnes. Allons-y. Les colonnes sur lesquelles repose la maison. Et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes. Oui. Et de femmes. Continue. Tous les princes des Philistins étaient là. Continue. Et il y avait sur le toit. Continue. Environ 3000 personnes. Hommes et femmes. Mm-hmm. Qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Continue. Je te prie. Ô Dieu. Donne-moi de la force seulement 7 fois. Continue. Et que d'un seul coup je tire vengeance. Continue. Pour mes 2 yeux. Mm-hmm. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu. Continue. Sur lesquelles reposait la maison. Continue. Et il s'appuya contre elles. Continue. L'une était à sa droite. Mm-hmm. Et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement
et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères étaient, c'est vrai, et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol. Amen. Tends la main droite vers le trône de Dieu. Nous répétons ensemble, Seigneur Jésus. Lord Jesus. Et tu permets que la chair de l'homme de Dieu soit effacée. May my flesh be subdued. Afin que toi tu sois vu. So that you may be known. Et qu'il diminue. Et que toi tu augmentes. And you be increased. Éternel. Lord. Nous te prêtons nos oreilles. We give up to you. Prête-nous ta bouche. Yes, and pas. Lord, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Qui croit que nous sommes dans la victoire. Who believe that we are in victory. Et je veux que tu acclames Dieu étant assis. Calmement. Fais un peu du bruit pour le Seigneur. Make a noise for the Lord. Fais un peu du bruit pour le Seigneur. Make a noise for the Lord. Gloire à Dieu. Glory be to the Lord. Et je pense que le dimanche passé, last Sunday, nous avons clôturé le programme du mois de juillet. We end with a program of July. Avec un thème très important. With a very important theme. Comment reconnaître celui qui sait Dieu? How to acknowledge the one who serves the Lord. Et celui qui se sert du nom de Dieu. And the one who just uses the name of the Lord. Nous sommes maintenant au mois d'août. And now we are in the month of August. Quel est le huitième mois? Eighth month. Qui est le mois de l'alliance, the month of covenant, et le thème que nous avons donné, the theme we are going to treat, c'est s'il l'a décidé. If he has decided, dis à quelqu'un s'il a décidé. If he has decided, touche quelqu'un, dis-lui s'il a décidé. That's why, if he has decided, c'est pourquoi j'ai dit ceux qui étaient là, that's why I tell them those who j'ai here, commencé ce message le jeudi, I started Thursday, où j'ai prêché sur le caméléon et ses mystères, I preached about chameleon and his mystery, où j'ai demandé à l'assemblée de devenir des caméléons. I asked people to become parce qu'un caméléon est un animal qu'on ne maîtrise pas, an animal they cannot master, qui s'adapte à toutes sortes d'endroits. He adapt himself to many quand places. Tu le mets dans un endroit noir, when black, il prend aussi la couleur noire. He take a color black. Tu le mets dans un endroit rouge. When take a red il place, prend aussi la couleur rouge. He take a color mais là red. N'est pas mon message. This is not my message. Aujourd'hui, le message que Dieu m'a donné, je vais traiter sous terre. I want to under quand battle. La chevelure de Samson est rasée. When Samson is shaved. Touche quelqu'un, dis-lui quand la chevelure de Samson est rasée. When the hair of Samson is shaved. Tu veux qu'encore tu parles plus fort. Quand la chevelure de Samson est rasée. When the hair of Samson is shaved. Dis encore quand la chevelure de Samson est rasée. When the hair of Samson is shaved. Mais c'est qui Samson? Who is Samson? Samson était juge en Israël. He was judge in Israel. Samson est né par prophétie. He was born through prophecy. Vous savez, il y a des enfants qui viennent au monde. They are children who come mais qui ne viennent pas au monde par prédiction. They don't come with true prediction. Mais ceux qui viennent au monde par prédiction, they don't come through prediction. C'est ceux-là dont la destinée est arrêtée. Their destiny is stopped. Dont la destinée ne peut pas échouer. And the destiny cannot. Parce que depuis le ciel, since heaven, il n'est pas venu parce que son père voulait. He didn't come because the father il wanted. Il n'est pas venu parce que sa mère voulait. He didn't come because the mother wanted. Il est venu parce que Dieu voulait. He came because God wanted. Il est venu par prédiction. He came through prophecy. Je veux dire, il est venu par prophétie. He came through prophecy. Parce que la Bible dit ceci. The Bible says, la mère de Samson. The mother of Samson. Avec des complications. We have complications pour enfanter. To give birth. C'est pourquoi toutes les femmes ont des complications. Who have complications pour avoir des enfants. Who have children. Mais quand elles commencent à mettre des enfants au monde, ces enfants qui naissent the children sont des enfants pour une destinée supérieure. They have a great destiny. Sont des enfants they are children qu'on ne peut pas maîtriser. You cannot master. Sont des enfants they are children qu'on ne peut pas tuer. You cannot kill. Sont des enfants they are children qu'on ne peut pas cacher. You cannot hide. Parce qu'ils ont une destinée grandiose. They have a great destiny. La Bible dit ceci. Says, le père de Samson, the father of Samson s'appelait Manoah. Manoah. La Bible dit craignait l'Éternel. Fear the Lord. La Bible dit servait Dieu. La Bible God. Dit il était irréprochable. C'est un homme intègre. Un homme droit. Right qui craignait Dieu. Fear the Lord. La Bible dit ceci. The Bible says, pendant qu'il était dans les champs, when was the farm, il y a un ange qui va arriver. An angel came. Il va apparaître à la mère de Samson. He appeared to the mother of Samson. Il va lui dire ceci. He said, tu deviendras enceinte. You will be pregnant. Tu mettras un enfant au monde. You will give birth to a child. Mais le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. You never shave his head. Tu ne lui donneras pas le vin. You will not give him wine. En un mot, Dieu voulait dire ceci. One word, il allait être un Nazaréen. He will become a Nazarene. Le Nazaréen, the Nazarene, c'est pas celui seulement qui a des longs cheveux. You don't have the one who have mais c'est long celui hair. Qui c'est celui qui se met à part set de toutes choses qui sont impures. La Bible dit ceci. Says, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. You never shave his head. Il ne doit ni boire une boisson inivrante. You should never drink any alcohol. La Bible dit ceci. Says, la mère de Samson, the mother of Samson a scellé ses paroles. He wrote those mais words. Elle a commis une erreur. Met, elle n'a pas demandé le nom de cet ange. He didn't ask the name parce que l'ange est venu vers elle. When the angel came, elle l'a appelé grand monsieur. She called a great man. Parce que c'était comme un homme. Like a man. C'est pourquoi sur la terre où nous vivons, that's why the earth il y a des anges que tu peux voir. There are angels il peut prendre see. Le corps d'un homme. They can take a mais man, c'est un ange. A man is an angel. C'est un ange. An angel.
Mais quand il s'est présenté à elle, when he presented elle n'avait pas su que c'était l'ange de Dieu. She did not know that. Alors son mari lui a demandé, comment est-ce qu'il était? Elle a commencé à le décrire. She began to describe. Elle dit vraiment c'était un messager de Dieu. Messager. La Bible déclare qu'ils ont fait une offrande. They made an offering. Quand l'ange est revenu, when the angel came, ils ont scellé la prophétie. En réalité, nous sommes plusieurs, nous partons à l'église. We are many, we come to mais il y a quelque chose qu'on ignore. We are we lack. Après chaque prophétie, after prophecy, il faut sceller la prophétie par une semence. You have to seal with a parce qu'il y a des chrétiens qui ne scellent pas la prophétie. They never seal the prophecy. Vous oubliez une seule chose. You forget one thing. Il y a des obstacles, they are obstacles que la prophétie peut rencontrer sur le chemin. Et ces obstacles, those obstacles peuvent tarder la prophétie. Certes, ils ne vont pas l'empêcher. Mais ils peuvent tarder la prophétie. Mais quand tu poses ton action, quand tu scelles la prophétie, ça accélère l'accomplissement. C'est pour cela. Zacharie craignait Dieu. La Bible dit ceci. Le jour où il est entré dans le lieu très saint, quand il a reçu le message, il a scellé avec un parfum. C'est ce qu'il a fait. Quand il est sorti, when he came out, la prophétie s'est accomplie. Quand les anges sont venus chez Abraham, when the angel came to il a scellé la prophétie. He sealed the prophecy. En tuant un veau gras et en leur donnant le lait, by giving, quand ils ont fini de manger, when they finished eating, il a scellé la prophétie. He sealed the prophecy. Donc la prophétie devait s'accomplir. C'est pourquoi Sarah ne croyait pas. That's why not elle s'est même moquée. Sarah will laugh. Dieu devait la frapper. God's supposed to hit parce qu'elle a menti. Because she lied. Mais Dieu ne la frappe pas. God doesn't à cause her. De l'action qu'elle avait posée. Because the action elle avait déjà scellé la prophétie. The prophecy. Dont la prophétie devait s'accomplir. And the prophecy supposed qui a dit amen très fort? Say amen well. Qui a dit amen très fort? Say amen well. Mais la Bible dit ceci. The Bible says, cet homme appelé Samson, the man called Samson va grandir. Grow. Il va avoir des responsabilités. You have responsibility. Dans le pays là où il était. The country where la Bible dit l'Éternel l'établit en tant que juge. The Lord established as a judge. Il va rencontrer une femme. He met a woman. Qui s'appelle Dalila. Dalila. Une femme qui s'appelle Dalila. A woman called Dalila. La Bible dit elle avait des belles cuisses. The Bible says, des belles jambes. So beautiful. Un très beau sourire. So beautiful. Un très beau regard. Beautiful. Mais elle était remplie. Well, she was full. D'un mauvais esprit. With an evil spirit. Elle était remplie. She was full. D'un esprit de séduction. With a spirit of seduction. La Bible déclare. The Bible says, quand il a vu Samson, when he saw Samson, Samson a commencé à l'aimer. She began je vous ai dit la dernière fois. I said to you, il n'y a pas de prière pour fuir une sirène des eaux. There is no prayer to run away from il n'y a pas de prière pour résister à une femme. There is no prayer to la seule chose que Dieu dit, the only thing il dit fuyez. C'est run away. Dis à quelqu'un fuyez. You have to flee. Dis à quelqu'un fuyez. You have to flee. Devant l'impudicité. Before impudicity. Ce n'est pas le jeûne qui délivre. Not fasting. Devant l'impudicité. Before impudicity. Ce n'est pas des années de conversion. Not conversion. Devant l'impudicité. Before, c'est la poudre d'escampette que tu dois emprunter. You have to run away. Tu dois fuir. You have to run away. Quelqu'un dit amen très fort. Amen well. Pourquoi? Why? C'est notre corps et le corps du Seigneur. Sorry. Notre corps est le corps du Seigneur. Our body is the temple mais nous of sommes faits de chair. We are made of body. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donc devant l'impudicité, before fornication, la seule chose que Dieu nous demande, the only thing, c'est de. Is to flee. Je n'ai pas entendu. C'est de. Is to flee. Tu n'as pas encore bien parlé. C'est de. Flee. Mais Samson lui comptait sur sa force. Samson believe in his. Samson comptait sur son appel. He rely on his calling. Samson comptait sur son pouvoir. He rely on his power. La Bible dit ceci. The Bible says. Il est resté avec Dalila. He remained with Dalila. Elle a commencé à toucher ses oreilles. She began to talk to the ear. Une femme. A woman. Qu'elle veut connaître ton secret. Where she to know your secret. Elle sait à quel endroit elle doit te toucher. You know what time she to elle sait à quel endroit où elle doit te toucher. So quand une femme veut quelque chose, where she wants même si ton cœur est dur, even your heart is elle hard. Connaît ses heures. She know the hours. Elle connaît ses endroits. She know the place. Là où elle va te toucher. Where she will touch et le secret you. Que tu as, where the secret tu vas livrer ton secret. Open it. La Bible dit ceci. The Bible says, elle a commencé à jouer avec les cheveux de Samson. Play with the hair. Mais je vais rentrer dans la révélation pour vous dire. I go to a revelation. Samson avait combien de cheveux? Samson avait il avait sept tresses. Seven braid hair. En réalité, in reality, Samson est la préfiguration du Christ. The perfection of parce Christ. Que les sept tresses de Samson the seven parle des sept esprits de Dieu. Talk about the seven spirit of God. Parle des sept étoiles. The seven stars. Parle des sept tours de Jéricho. Seven. Parle des sept plongées de Naaman. Sept. La Bible dit ceci. The Bible says. Les sept traits de Samson. The seven braid of. Incarne les sept esprits de Dieu. The seven spirit of God. Les sept plongées de Naaman. The seven tipi of Naaman. Les sept tours de Jéricho. The seven towers. Les sept étoiles. The seven stars. Dans la main de Dieu. In the house of the Lord. Mais écoutez-moi très bien. Listen to me. La Bible dit ceci. The Bible says. Ces sept traits. Those seven braid. Dalila.
Dalila a commencé à jouer avec ses cheveux. Began to play with it. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Quand vous avez un secret, when you have a secret, le jour où vous livrez votre secret, the day you give your secret, vous n'êtes plus un mystère. You are not a mystery. Chaque homme, every man, a un secret. Have a secret. Chaque homme, every man, a un secret. Has a secret. Et c'est ton secret, is your secret, qui incarne ta réussite. Make your, c'est ton secret, secret qui incarne ta force. Make your strength. C'est ton secret, secret qui incarne ta victoire. Make your victory. Mais le jour où tu n'as plus de secret, you don't have a secret, tu deviens une personne vide. Qu'on peut manipuler, manipuler, qu'on peut diriger, qu'on peut dominer, dominer, une personne qui peut échouer. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, love, je vous exhorte à avoir des secrets. Secret. Vous devez avoir des secrets. Ce n'est pas tout ce que vous connaissez, vous devez you dire. You know ce n'est pas tout ce que vous savez, vous devez dire. You know you know je vais révéler quelque chose. Quand l'Éternel s'est révélé à Moïse, dans le puissant, Moïse n'a jamais parlé de ces choses. Il ne veut pas parler de ça. Que l'Éternel s'est révélé reveals, à Moïse dans le secret, Moïse, dans le puissant. Moïse n'a jamais parlé de ces Moïse choses. Never talked about it. Et pourquoi tu n'as pas de secret? Why don't you have a secret? On connaît ta vie. They know your life. On sait comment tu fonctionnes. They know where you work. On sait tout de toi. They know everything. Quand on te regarde, on sait comment tu penses. They know where you on think. Sait pourquoi tu regardes comme ça. They know why you on ne doit pas connaître ton secret. They don't have to know your un homme doit être profond. A man have to une deep. Femme doit être profonde. A woman have to il y a des deep. Choses que tu dois garder. You have to parce qu'il peut arriver des situations situation où tu n'es pas obligé de parler. You don't have to talk. Mais ton silence, your silence, ton silence your silence est ton secret. And your secret dans le secret de Dieu, secret of mène God. Ton combat. Ce n'est pas tout ce que tu sais, tu dois dire. Everything you know, you have to talk about it. Il y a des personnes qui n'ont pas de secret. There are people who don't have secret. Tu n'as pas de secret. You don't have secret. Mais comment est-ce que tu vas dominer dans ce monde? How can you dominate this world? Comment est-ce que tu vas régner? How can you reign? Parce que ceux qui arrivent à impacter ce monde, those who impact c'est this des world, personnes qui sont remplies de secrets. The people are full of secret. Touche quelqu'un, demande-lui est-ce que tu as un secret? Talk somebody, do you have a secret? Tout le monde sait pas où tu es passé pour venir en France. Everybody know where you passed to come to France. On connaît le commencement de ta famille, on connaît sa fin. They know the beginning of your family. Il te faut un secret. You need a secret. Le secret, the secret, c'est ta promotion. It's your promotion. Le secret, the secret, c'est ton pouvoir. It's your power. Il y a des choses qu'on ne doit pas savoir de they toi. Are people, they know how to know about il n'y a que Dieu seul qui sait. Only God knows. Il y a plusieurs qui n'ont pas de secret. There are many, don't have secret. Laissez-moi vous dire quelque chose. Let me tell you. Oh, je vais révéler quelque chose. I want to reveal something. Il y avait un homme qu'on appelait David. The people called David. David dit, veillait sur les troupeaux de son père. We were taking care of the sheep. Quand les ours venaient, when the bear came, il les tuait à la main. He killed them with mais his il n'avait jamais dit ça à son père. He had never told it to his father. Il n'avait jamais dit ça à sa mère. He had never told it to his parce mother. Que s'il avait dit ça à son père, as if he said son père allait dire ceci. The father said, c'est un endroit dangereux. It's a dangerous place. Ne va plus là-bas. Don't go there mais comme il a gardé, because he kept pourquoi il a gardé? Why he kept parce que c'est là-bas la prophétie devait there the prophecy have to meet him. S'il avait dit ces choses, as he said it, son père allait lui dire, the father said, ne reste pas dans les champs. Don't remain there. Viens à la maison. Come home. Pourtant, meanwhile, dans le programme de Dieu, the program of la God, prophétie, the prophecy, ne devait pas le trouver à la maison. Not to meet mais at home. Ça devait le trouver dans les endroits dangereux. Ça devait le trouver dans les endroits dangereux. C'est pourquoi il y a des choses qui t'arrivent que tu ne dois pas dire à tout le monde. Il y a des choses qui t'arrivent que tu ne dois pas dire à tout le monde. Ça doit être ton secret. Ça doit être ton secret. Ça doit être ton secret. Parce que s'il avait dit ça à son père, hey, Goliath allait encore plus se préparer pour l'affronter. Parce qu'ils allaient dire ceci. Cet enfant-là, il tuait les ours à la main. He killed a bear with his hand. Goliath n'allait pas venir seul. Goliath would not come. Il allait venir peut-être 5. He come five. Mais comme Goliath ne connaissait pas son secret, Goliath l'a méprisé. Despise. Quand il est venu, when he came, il est venu simplement. He came so simple. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. I come in the name pourtant, of the dans le secret, secret, il avait connu des choses qui ont fait de lui des secrets. Who make him a secret. Écoutez, listen. Si vous n'avez jamais, si vous n'avez jamais vécu, if you are never led, si vous n'avez jamais vaincu, if you are never led, des ours dans le secret, bien de secret, vous ne pouvez pas attaquer Goliath publiquement. You can never face Goliath publicly. C'est ce que tu as vécu dans le secret, what you are living qui in the t'amène secret, à renverser tes adversaires publics, make you to bring qui t'amène à renverser tes adversaires publics, make you to bring qui t'amène à renverser tes adversaires publics, qui bring the adversaire down in the public. Il n'a pas dit ça à son père. He didn't say this one to his father. Touche quelqu'un, dis-lui secret. C'est secret. Touche quelqu'un, dis-lui secret. C'est secret. Non, j'ai rencontré mon fiancé. I meet my fiancé. Il vient de tel pays.
come from his country. Sa mère s'appelle tant. The mother is from. Sa sœur s'appelle tant. The brother is here. Oh, tu ne sais pas. You don't know. Celui que tu connais. The one you know. Peut ne pas connaître celui que tu connais. You may not know what. Mais peut connaître celui que tu ne connais pas. You may know what. Quelqu'un qui le connaît. Somebody who knows him. Est-ce que tu m'as compris? Do you understand? Celui que tu connais. The one you know. Peut ne pas connaître la personne que toi tu ne connais pas. Not know the one you don't mais peut connaître la personne que toi tu ne connais pas. No, peut le connaître. Can know it, who can know it? Toi tu parles partout. You talk everywhere. On va te fiancer, c'est dans toute la vie. We have to fiance, make a fiance, on va te doter, c'est dans toute la vie. We have to make an engagement. Demain que ça ne marche pas. When oh Dieu. Oh God, qu'est-ce que j'ai fait? What have I done? Tu dois faire venir tes enfants. Tu ne sais même pas si celui qui est à côté s'oppose. Tout le monde est au courant. Tu envoies l'argent. You send money. Ça ne marche plus. It's not working. Je suis découragé. I'm discouraged. C'est parce qu'il te manque le secret. You lack secret. Il te manque le secret. You lack secret. Le secret, c'est comme la prière. The secret is le like secret, prayer. C'est comme le jeûne. The secret is like le secret, fasting. C'est comme la prophétie. Like a prophecy. La Bible dit ceci. The Bible says, Samson va dire son secret. Samson told his secret. Il lui dit ceci. He said, parce que la Bible dit Dalila a tellement insisté. He insisted, elle insistait plusieurs fois. She insisted many times. Quel est ton secret? What is your secret? Oh, tu joues toi avec moi. You play with il y a des choses que tu ne me dis plus. There are things you are not saying. Un homme qui a le pouvoir. A man who has power. C'est celui qui a la capacité de résister même devant les femmes. He's a man who can resist before women. La Bible dit ceci. The Bible says, Samson. Samson. Il lui dit. He said, prends un banderole. Take a, attache mes cheveux. Teacher, et je vais m'affaiblir. My hair, elle a fait, elle n'a pas vu ça. Elle dit, oh, dis-moi quelque chose. Say something to me. La Bible dit, the Bible says, Dalila pousse Samson, push him, a dit son secret. To give his secret. C'est pourquoi. That's why. Toi-même qui es en train de faire tes papiers. You are c'est pas tout le monde qui doit être informé comment tu es en train de faire. It's not everybody. C'est le premier même à appeler à la préfecture. Mais quand on pour dire à l'enfant qu'il a reconnu n'est pas son enfant. The child, papier qu'il a là. The document he has. Le jour où vous allez faire histoire. The day we il est capable d'appeler on t'arrache. He can call and dis à quelqu'un le secret. Secret. Dis à quelqu'un le secret. Secret. Dis à quelqu'un le secret. Secret. Toi tu n'as pas papier, tu travailles papier des gens. Toute ta famille est au courant. People document and everybody knows. Les gens récupèrent les papiers. They never take tu commences à pleurer. You began to cry. C'est pas que tu n'as pas de secret. You don't have secret. La Bible dit. Elle caresse les cheveux de Samson. Just caress it. Elle caresse ses cheveux. Just caress the hair. Oh, la Bible dit ceci. The Bible says. Sa force se trouvait où? The strength were where? Sa force se trouvait où? The strength were where? Dans ses cheveux. In the hair. Oh, la même nous dit. La même Bible nous dit dans Corinthiens. The Bible says. The la nature n'enseigne-t-elle pas? Mais pour un homme qui a des longs cheveux, c'est une honte. That they accept one who have long hair. Un homme, qui a des longs cheveux, a man who have long hair, c'est une honte. It's a shame. Mais pour Samson, for Samson, ça faisait pas sa honte. It was not a shame. Ça faisait c'est quoi? Sa force. The strength. Je veux dire sur toi. I want to tell. En cette année, in this year, du mois d'août, cette année 2016, in this year, au mois d'août, ce qui fera la honte de ta famille, what make a la honte de ton entourage, toi ça fera ta force. Be parce que tu es une personne exceptionnelle, une personne mise à part, ça fera ta force. D'autres vont pleurer, toi tu vas te réjouir. D'autres vont tomber, c'est maintenant que tu seras relevé. D'autres vont pleurer, ils seront dans la famine. Mais toi tu seras dans la joie, tu seras dans la prospérité, tu seras dans l'élévation. Qui a dit amen? C'est pas au coup à leur accomplissement. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Ça faisait la honte des autres. Mais lui Samson, Samson, c'était sa force. It was his c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à te comprendre. That's why people cannot on dit Paris, nous on est venus, on a fait 10 ans. Paris, we on n'a jamais amené quelqu'un. We never on n'a jamais acheté terrain. You never buy toi tu es venu. You tu n'as que 2 ans. Only 2 years. Tout est réussi. Everything c'est parce que ce qui est dû pour eux, c'est for facile them. Pour toi. It's easy for c'est you. Facile pour toi. It's easy c'est for facile you. Pour toi. It's easy je for prophétise. Là où les gens étaient enterrés, tu ne seras pas enterré à cet endroit. Tu ne seras pas enterré à cet endroit où les gens sont morts. Tu ne mourras pas à cet endroit. Qui a dit amen, ça t'arrive. La Bible dit ceci. Il avait combien de tresses? 7 tresses. Et les 7 tresses de Samson aussi parlent aussi des 7 chandeliers. Parce que le chandelier a 7 branches. Les 7 tresses de Samson parlent des 7 branches du chandelier. Oh, les 7 branches du chandelier représentent la face de l'homme. Parce que l'homme a 7 sorties. We have 7 out. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'homme a 7 sorties.
dans le chandelier de la présence de Dieu et la face de l'homme dans la présence de Dieu. Il avait 7 ailes. La Bible dit ceci. Il va dire maintenant à Dalila. Tu sais, you know, ma force, my strength, ça se trouve dans mes cheveux. Is in my hair. La Bible dit le jour où il dormait. The day was sleeping, la Bible déclare the Bible declared, comme elle a su que Samson, Samson avait tout dit, said avait tout déversé, ce qui était dans son cœur. La Bible dit, the Bible says, elle va appeler les Philistins. Quand les Philistins de venir détruire, tuer Samson. Kill Samson. La Bible déclare, the Bible says, quand les Philistins sont arrivés, when they arrive, ils sont tombés sur Samson. Samson. Ils ont coupé ses cheveux. Cut off the hair. Et ils ont pris Samson. Samson. Ils l'ont mis en prison. Put in jail. Écoutez-moi très bien. Listen to me. Mais la Bible dit ceci. The Bible says, ses cheveux the hair ont commencé began to, à repousser. To grow. Écoute-moi très bien. Certains ont su que telle chose était ta force. Some people knew that et toi, attaquer cet endroit. They attack you. Maintenant, tu ne peux plus. Now you cannot tu te dis que tu es tombé. Now you say tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir. No tout le monde m'a abandonné. Everybody tout le monde a su mon secret. Tout le monde a su ce qui faisait ma force. Mon boulot qui faisait ma force. Je n'ai plus de boulot. Mon mari qui faisait ma force. Mon mari est parti. Mon enfant qui faisait ma force. Mon enfant ne vit plus. Ma famille qui faisait ma force. Je n'ai plus de famille. Je suis rejeté de partout. Mais l'apôtre Paul pouvait dire ceci. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la force de Dieu s'exprime dans ma faiblesse. Je veux dire à quelqu'un, tu es devenu aujourd'hui faible. C'est parce que la force de Dieu doit s'exprimer. La force de Dieu doit s'exprimer. La force de Dieu doit s'exprimer. Ils ont pris Samson. Ils l'ont mis en prison. La Bible dit ceci. Ils lui ont crevé les yeux. Oh, les yeux parlent de la vision. Quelqu'un dit prophète aggrave, je vais aggraver. Quelqu'un dit prophète accélère, j'accélère. Quelqu'un dit prophète aggrave, j'aggrave. La Bible déclare. On va aller chercher Samson en prison. On dit allons-y le chercher. Pour qu'il puisse nous divertir. Pour les distraire. Just to make a distraction. Pour s'amuser. Just to play. Un homme qui avait la force. A man who has un homme qui avait la vision. A man who has vision. On coupe ses cheveux. Just et on va le chercher. Go and take on lui crève les yeux. Mais that boy il ne voit plus. Now il ne sait plus où marcher. Mais la Bible dit ceci. Quand il est arrivé. When you arrive, dans la cour. In the house. Il y avait plusieurs Philistins qui étaient many là. Philistines were there. Il y avait plusieurs femmes qui étaient là. Many women were mais there. La Bible dit ceci. Says, il y avait un enfant. There were a child over there. Il y avait un enfant there were a child over there. Qui conduisait Samson. Écoutez-moi très bien. L'enfant parle de la vision. Samson, comme il n'avait plus de yeux, you know, ça parle de la force. Je vous dis ceci. Il arrive un temps dans notre vie, quand nous marchons, nous n'avons plus de vision. Mais si on n'a plus de vision, ça ne veut pas dire qu'on n'est rien. Si la vision ne s'exprime pas, il y a la force qui va s'exprimer. Il y a la force qui va s'exprimer. Il y a la force qui va s'exprimer. C'est pourquoi, le plus souvent, ceux qui nous ont engendrés, quand ils commencent à vieillir, ils disent je te mets à l'école pour que tu puisses t'occuper de moi. C'est ça ou c'est pas ça? Pourquoi? Parce que ton père qui te met au monde, quand il commence à vieillir, il perd la vision. Toi qui l'envoies à l'école, c'est toi qui as la vision. Mais ton père n'a plus de vision. Mais ton père a la force. Pourquoi? Parce que sa force est venue par ses expériences. Parce qu'il a vécu avant toi. Il a vu le ciel avant toi. Il a vu la lune avant toi. Il a marché sur la terre où tu marches avant toi. Donc toi, tu as la vision. Le Père a la force. Comme il a la force. Toi, le Fils, tu n'as pas de force. Mais c'est toi qui as la vision. Tu deviens ses yeux. C'est pourquoi souvent, il te dit, j'arrive pas à lire là. Est-ce que tu peux lire pour moi? En réalité, il a la force. Toi, tu lis parce que tu as la vision. Il arrive des fois dans notre vie, nous n'avons plus de vision, mais c'est la force de Dieu en nous qui s'exprime par la sagesse. C'est pourquoi souvent, that's why, ta mère ou ton père peut te dire, your father can say to you, dans tel endroit si tu t'en vas, voici telle chose qui va t'arriver. Ce n'est pas parce que Dieu lui a parlé, not mais c'est à cause de sa force, because of his strength, son expérience. Je ne veux pas que tu maries tant. Je ne veux pas que tu habites tant. Je ne veux pas que tu marches tant. Pourquoi? Why? Parce qu'il a la force. Because you have the strength. C'est pourquoi. That's why. Celui qui a la vision, you have the vision doit toujours écouter. You can always listen. Celui qui a la force, you have the strength. La Bible dit ceci. The Bible says, c'est le jeune qui a conduit Samson, who led Samson
La Bible dit au pilier du temple. On the pillar of the temple. La Bible dit le pilier était à droite. The pillar was at right. Et l'autre pilier était à gauche. And another one. Quand Samson est arrivé. When you arrive. Qu'est-ce qu'il a fait? What he did? La Bible dit il a étendu ses mains. Just Adam et Allah. Qui parle du signe de la croix. Cross, écoutez-moi très bien. On peut marcher avec Dieu pendant des années. Yes. 10 ans de conversion. 20 ans de conversion. On peut être toujours fort. On a toujours la vision. Mais Dieu, pour exprimer sa force à travers de nous, il nous affaiblit. C'est quand on est faible que la puissance de la croix commence à s'exprimer. Quand Samson n'avait plus de vision, la croix s'est exprimé et c'est la croix qui a fait tomber les deux piliers du temple. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas où t'es emprisonné, je ne sais pas dans quel trou tu es tombé, mais la prédication de la croix viendra à cet endroit pour te chercher. La croix va s'exprimer, la croix va s'exprimer, la croix va s'exprimer, la croix va s'exprimer. Ils ont oublié une seule chose. Il devait couper sa tête. Mais ils ont rasé ses cheveux. On devait couper sa tête. Mais ils ont rasé ses cheveux. Je vais parler d'un pays où tous les filles sont emprisonnées. Où tous les filles sont rejetées. Mais comme il y a encore de la vie, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de la vie. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de la vie. Il y a encore de l'espoir. Je veux dire à quelqu'un, si ton père échouait hier, c'est pour que toi tu puisses réussir. Les endroits où ton père n'a pas pu arriver, c'est parce que ces endroits te sont réservés. Ces endroits te sont réservés. Qui a dit amen? C'est pas un coup à l'accomplissement. Il avait 7 tresses. Au lieu de couper sa tête, ils ont rasé ses cheveux. Mais la Bible dit, ses cheveux recommencer à pousser. Je suis en train de dire à quelqu'un, I want to tell you, on t'a arraché un mari. Ils ont mal fait. S'ils ont mal fait, ils ont que détruit le projet que tu avais. Mais toi, tu es l'usine. Toi tu es l'usine. Si on a arraché ton mari, comme Christ est en toi, il va encore recréer un autre qui viendra. Mais ça sera un mari définitif. Ils ont tué ton enfant, ils n'ont pas pu te tuer. Dieu va recréer parce que tu vis. Il va recréer ton travail. Il va recréer ta construction. Il va recréer tes projets. Il va recréer ton élévation. Ils ont touché la fabrication. Ils n'ont pas touché l'usine. Tous quelqu'un dit ils ont touché la fabrication. Mais ils n'ont pas touché l'usine. Tu as perdu ton travail, ce n'est pas mon problème. You lost your work, ton travail, c'est la fabrication. Your work is the tu as perdu ta maison, ce n'est pas mon problème. You lose your house, ta maison, c'est la fabrication. Your house is fabrication. Tu as perdu ton enfant, ce n'est pas mon problème. You lost your house, parce que ton enfant, c'est la fabrication. Your child is fabrication. Mais toi, tu es l'usine. You have tant que l'usine ne tombe pas, l'usine a la capacité there. De fabriquer. L'usine a la capacité de refabriquer. J'ai dit, ton foyer sera refabriqué. Ton travail sera refabriqué. Ta promotion sera refabriquée. Ce que tu cherches sera refabriqué. Il se lève, l'Éternel fait de lui une usine. Je fais de lui une usine. Je fais de lui une usine. Je fais de lui une usine. Qui a dit amen? Qui a dit amen? C'est la fabrication. The fabrication. Pourquoi tu pleures à cause d'un boulot que tu as perdu? Why are you crying because of j'ai perdu mon work? Travail. I lost et my work. Et tu as oublié Jésus. You are forgetting Jesus Christ. Mais si tu as perdu ton travail. If you lost your work. La Bible dit ceci. The Bible says. Le même qui ferme une porte. The one who closed the one door. Il ouvre encore une autre porte plus meilleure. You open another door. Il ouvre encore une autre porte plus meilleure. You open another door. Est-ce que tu crois en Dieu des miracles? You believe in God of miracles. Est-ce que tu crois en Dieu des miracles? You believe in God of miracles. Est-ce que tu crois en Dieu des miracles? You believe in God of miracles. Est-ce que tu crois en Dieu des miracles? You believe in God of miracles. Mais voici le réma il va vous donner. This is the revelation I'm giving you. Dalila joue avec Samson. Playing with Samson. Mais elle ne connaissait pas ce que signifiait Samson. She didn't know what would mean Samson. Samson signifie petit soleil. Samson means a sun. Touche quelqu'un dit petit soleil. Elita sun. Touche dit petit soleil. Elita sun. Tu es encore petit soleil. Elita sun. Tu es encore petit soleil. Elita sun. Tu es encore petit soleil. Elita sun. En coupant ses cheveux. By cutting the hair. En réalité.
On ne parlait plus de Samson. I'm talking about Samson. Pourquoi? Man. Why? Parce que le soleil, the sun, a la capacité de se coucher. Ability to quand go off. Quand le soleil off, se couche, when the sun go on ne off, parle plus du soleil. We don't talk about Samson. En réalité, Samson, le soleil, the sun, se lève à l'est. He rests et se couche east, à l'ouest. And go down donc dans la west, maison de Dalila, in the house of Dalila, Samson est à l'est. Samson was non, Samson est à l'ouest. When west, il était couché. Well down, mais l'Éternel l'a déplacé. The Lord en l'amenant à l'est. Moving. Il s'est relevé. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas où on t'a fait dormir, mais comme un soleil, tu vas ressusciter. Comme un soleil, tu vas ressortir. Comme un soleil, tu vas ressortir. Tu es un soleil pour ta génération. Tu es un soleil pour ta génération. On ne parle plus de toi. Ce n'est pas parce que tu es mort, mais tu es couché. Tu es couché. On ne parle pas de ton mariage. C'est parce que ton mariage est couché. On ne parle pas de ton élévation. Parce que ton élévation est couchée. Tu es soleil. You are a sun. Soleil ne peut pas faire l'huile. Sun cannot become moon. On appelle Jésus-Christ. Because le soleil levant. We raise the sun. Nous sommes des petits soleils. We are a little sun. Dalila coupant ses cheveux. Cutting his hair off. Elle ne sait pas. She didn't know. Elle n'a pas détruit. She didn't destroy. Mais elle a fait que dormir. Just sleep. Il y a des endroits où Dieu permet que tu dormes. Il y a des endroits où Dieu t'envoie pour dormir. God send you to sleep. Mais parce que tu vas te relever quelque because part. You wake up somewhere. Il va te relever quelque part. You wake up somewhere. Si on t'a fait dormir à l'ouest, he will make you to sleep. C'est parce qu'à l'est sera ton élévation. Because will be your à l'est sera ton élévation. This will be your à l'est sera ton élévation. This will be your à l'est sera ton élévation. This will be your lève-toi, dis je suis de la génération Samson. 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 La Bible déclare. Baba declare, quand ses cheveux when the hair ont recommencé à pousser, began to grow. La Bible dit ce jour-là. The Bible said that day. Il a renversé. When he pulled les down deux piliers du temps. Those two pillars. Il a tué plus que le jour où il était en forme. He killed more than the day he was strong. C'est dans ta mort que tu vas plus tuer. In your death, you kill où il n'y a plus d'espoir, c'est là que tu vas plus encore attaquer tes ennemis. Where you are no open, there je vais dire à quelqu'un, en ce mois d'août, opération, nous allons traquer Satan et ses démons. Je vais traquer ta stérilité. Je vais traquer tes fibromes. Je vais traquer le blocage. Je vais traquer les sorciers de ta famille. Qui se lève, Dieu commence à les traquer. Au nom de Jésus. Se voit comme un soleil. Who see himself as the sun? Regarde moi, il commence à te voir briller. We are seeing you shining. Non, dis-moi prophète, qu'est-ce que tu vois? Say prophet, what are you seeing? Dis prophète, qu'est-ce que tu vois? Prophet, what are you seeing? Dis prophète, qu'est-ce que tu vois? Prophet, what are you seeing? Je vois ton mariage qu'on a fait coucher à l'ouest. I see your mariage qui est en train de s'élever à l'est. Coming to east. Qui est en train de s'élever à l'est. Raising up in qui est en train de s'élever à l'ouest. Raising up in east. Qui est en train de s'élever à l'ouest. Raising up in east. Qui a dit amen? Say amen. Qui a dit amen? Say amen. Qui a dit amen? Say amen. Quelqu'un dit prophète, qu'est-ce que tu vois? Say prophet, what are you seeing? Je vois le bonheur et la grâce courir après toi. Je vois ta promotion courir après toi. Je vois tes logements courir après toi. Je vois ta prospérité courir après toi. Qui a dit amen, ces choses arrivent. Qui a dit amen, ces choses arrivent. Touche quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu sais qui tu es? Tell somebody, do you know who you are? Non, comment ça le toucher, dis-lui. Tack him. Do you know who you are? C'est pourquoi Dieu permet quelquefois. That's why God allows sometimes. Tu échoues quelque part. To fail somewhere. Toi, tu considères comme l'échec. You consider as a failure. Mais pour Dieu, c'est une formation. For God is a training. C'est pourquoi quand je lisais l'évangile. When I read the gospel, j'ai compris cette chose. I understood one thing. Jésus n'est pas mort à cause de notre travail. He doesn't die because of our work. Il n'est pas mort à cause de notre richesse. He doesn't die because of our richesse. Il n'est pas mort à cause de notre élévation. He doesn't die because of our richesse. Mais il est mort à cause de nos péchés. Because of our sin. Ce qu'il n'a pas fait. What he didn't do. C'est ce qui l'a amené à mourir. Maintenant, lead him to die. Si Christ, if Christ a la capacité have the ability de mourir to die pour une faute for a mistake que lui Christ n'a pas commis, he didn't do. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire pour toi? What is not able to do it for you? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable? What is he not able to pour une do faute for que you? Lui Christ n'a pas commis. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? What is he not able to do for you? Pourquoi pleures-tu? Why are you crying? À cause du petit boulot que tu avais. From the little work you pourquoi were having. Pleures-tu? Why are you crying? À cause du petit foyer que tu avais. From the little home you are il having. Il y avait a man qui s'appelait Adam. They call Adam. L'Éternel lui a donné deux fils. The Lord gave him two sons. Deux fils. Two sons.
La Bible déclare. The Bible says. Lot a fait son offrande. The one make his offrande. Abel. Abel. Il fait son offrande. He made his offrande. Cain n'est pas content. Cain was not happy. Cain le tue. He killed him. Par jalousie. Through jealousy. Adam commence à pleurer. Adam began to cry. Adam commence à pleurer. Adam began to cry. Adam commence à pleurer. Adam began to cry. Adam s'inquiétait. Adam was worried. L'Éternel m'a donné que deux enfants. The Lord gave me only two Mais children. L'autre est parti. One is gone. Qu'est-ce que je vais faire? What can I do? Mais la Bible dit. The Bible says. L'année prochaine. By next year. The following year. Se souvenir d'Adam. The Lord remember Adam. Il lui a donné un fils. He gave him another son. Qu'on appelle Seth. We call him Seth. La Bible dit. The Bible says. C'est quand Seth est né. When Seth was born. C'est là qu'on a commencé à adorer l'Éternel. We began to worship the Lord. Il y a une bénédiction qui va venir dans ta maison. The blessing will come to Tu seras obligé d'adorer l'Éternel. Il y a une promotion qui va venir dans ta maison. Où tu seras obligé de célébrer Dieu. Parce que ce qu'il va faire va bouleverser ton entendement. Va bouleverser ta vie. Va déranger ta génération. Va déranger la ville là où tu habites. Va déranger l'immeuble là où tu habites. Au nom de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. You are not just an ordinary person. Crois en ta destinée. Believe in your destiny. Crois en ta destinée. Believe in your destiny. Crois en ta destinée. Believe in your destiny. Tu n'es pas une erreur de la création. You are not a mistake of the creation. Considère toutes tes erreurs comme une formation. Consider your mistake Consider as a training. Toutes tes erreurs comme une formation. All your mistakes as a Parce training. Parce que demain quand tu seras face à la Tomorrow destinée, when you face your destiny, personne ne pourra te branler. Nobody can stop personne you. Personne ne pourra te frayer. Nobody can stop quand you. Quand celui qui a vu loup hier n'a pas peur du jour où il croise loup. Crois en ta destinée. Believe in your destiny. Est-ce que tu crois? Do you believe? Est-ce que tu crois? Do you believe? Qui croit avec moi? Who believe with me? Qui croit avec moi? Who believe with me? Attends, écoutez. Listen. Il y a des choses. There are things. Qui ne doivent plus vous ébranler. It should not bring you down anymore. Avoir Jésus dans sa vie, c'est un trésor. Having Jesus is a treasure. Avoir Jésus. Having Jesus. C'est un trésor. It's a treasure. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. For those who receive him. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Scorpion and snake. Maintenant. Now. Quand un problème t'arrive. When a problem comes. Étant un enfant de Dieu. As a child of God. Quand tu trembles. When you are shaking. Quand tu t'agites. When you are worried. Ça dépend de où Dieu t'a rencontré. It depends where God meet you. Ta foi dépend your faith de où tu as rencontré le Seigneur le premier where jour. You met the Lord the first day. Ta foi your faith dépend de où tu as rencontré le Seigneur le premier jour. Depend where you met the Lord the first Ceux day. Ceux qui l'ont rencontré dans la mort. When they met pendant qu'ils étaient en train de mourir. When we died, et l'Éternel les a vus. And the Lord saw les them, a appelés. And called them. Dans les prières. In their prayer, ils ne disent jamais Seigneur donne-moi l'argent. They don't say, Lord, give me Parce money. Qu'ils savent. They know, la vie qu'il leur a redonné. The life he gave to vaut them. Mieux que l'or et l'argent. Better than gold and silver. Ta foi dépend de où tu as rencontré le Seigneur le premier jour. Où il t'a rencontré? Where he met you? C'était tout allait bien chez eux. Everything was going well. Quand ils acceptent Christ. When we accept Christ. Quand Christ commence à fermer la porte. When Christ began to close Ils commencent à s'inquiéter. They were worried. Oh, la Bible dit ceci. The Bible says, la gloire de la seconde maison the glory of the second sera house. Plus grande que celle de la première. Attends. J'ai dit. La Bible dit ceci. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire quoi? La première maison que Christ a donnée, tant qu'elle n'est pas cassée, Dieu ne peut pas construire encore une autre maison. Tant que Christ vient dans ta vie, il casse la première maison. C'est là que tu commences à dire, tout le monde m'abandonne. Mais ça va commencer à tomber. C'est parce que ce qu'il va te donner, aucun homme n'a fait ça. Aucun homme ne peut avoir cela. Ce qu'il t'a donné n'est pas fait de la main des hommes, mais sera fait par la main de Dieu. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Do you know where you are coming from? Quelqu'un pour lui demander, tu viens d'où? Where are you coming from? Parce que où Christ t'a rencontré? Where Christ met you? Mais quand tu étais dans des difficultés? When we're in difficulty? Tu ne fais que l'adorer. Just worship. Mais quand tout va bien? When everything is going tout well? Tout va pas bien, tu l'adores. It's not going well, you worship him. Parce que tu es passionné de lui. You are full tu te souviens toujours de là où il t'a cherché. You remember always where he took you. Retenez ceci. Ce mois d'août. This month of August. Votre foi dépend de où l'Éternel vous a rencontré. Your faith will depend where he met, God met you. Le premier jour. The first day. Votre foi dépend. Your faith. Regardez quand Christ a rencontré Job. When Christ met quand Job. Quand Dieu a rencontré Job. When God met Job. Job n'avait rien.
Job will have nothing. Mais quand Job a rencontré sa femme, when God met his Job wife, avait tout. We have c'est pourquoi quand Satan est venu frapper, when Satan came, c'est la femme de Job qui a commencé à se décourager. She was parce qu'elle était habituée au luxe. She was used to mais luxe. Job était habitué à la souffrance. God was il était habitué aux épreuves. C'est pourquoi Job a dit, well, quand sa femme Job. Lui a dit, maudit Dieu meurt, et dit, femme insensée, nu je suis né, et nu je retournerai. Une personne qui dit ces choses, malgré les épreuves, ça dépend de là où tu es allé le chercher. Met him. Il y a des gens qui ont appelé Dieu. Some people call God. Moi, je n'ai jamais appelé Dieu. Me, I never call God. C'est Dieu qui m'a appelé. It's God who called me. Malgré vents et marées. There's fire and wind, and je so suis debout. I'm standing. Écoutez. Listen. Quand vous atteignez des dimensions. When you are some dimension. Et qu'on lance pas des discrédits sur vous. But don't insult you. Vous ne pouvez jamais impacter une nation. You cannot impact a nation. On peut dire tout de toi. We can say everything. Ne faut jamais te retrouver dans ce que les gens disent. But you not find yourself inside. Parce que les mêmes qui t'accusent. Ils ont un seul objectif. They have one focus. C'est que tu tombes. You fall down. Écoutez. Listen. Les pierres qu'on vous lance. The storm you are. C'est pas que tu as maison, tu as mari. If you go, you have tu as enfant, tu as ton bon boulot, tu as tes papiers. Ce qui va s'occuper de toi. So why would talk about you? Ça me fait mal pour qu'on parle de moi. Why on parle pas de toi. Why they don't talk about you? C'est parce que tu es supérieur à eux. You are above c'est them. Parce que tu les fatigues. C'est them. Parce que tu les troubles. Tu them. Les effraies. Tu es un danger. Tu es un fantôme. Yeah. Ce que tu es, ils n'ont jamais vu. What, who you are, they don't have. Tu les effraies. You disturb them. Attends, toi, tu as une copine, elle cause pas toi depuis des années. You have toi, tu es marié, tu as enfant, married. Tu as tout. You have everything. Comment elle va causer à toi? Why do you want her to talk with you? Elle est complexée. She has a complex. Et le complexe là. The complex. Ça envoie. It bring. L'homme a devenu aigri. He become a devenu jaloux. Jealous, envious. Et quand il devient trop jaloux, when become too la jealous, finalité c'est sorcier. Witchcraft. Dieu n'a même pas encore accompli ses promesses. God has not yet started. Il a commencé à accomplir. He has started. Regardez comment vous priez. Look at the way you are shining. Regarde comment tu as beau. Look at the way you are shining. Regarde ton sourire. Look at your smile. Ton sourire est dangereux. You are so dangerous. Ton regard est dangereux. Ta démarche est dangereuse. Écoutez. Listen. Dans la gloire. The glory. On n'a pas tout le monde pour ami. You don't have everybody to in as a friend. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Some people they don't accept. Attends, qui va voir manguier? Who have to see avec the mango les mangues mûres. Oui, mango. Tu vas pas lancer pierre. And will not make a stone. Les critiques qu'on lance sur toi. The critics. Les discrédits qu'on te lance. All those c'est parce qu'ils ont faim. Ils veulent que tu les donnes à manger. Ils veulent que tu les donnes à manger. Ils veulent que tu les donnes à manger. On va tous se tenir debout. We are be on our way.